C'est la plus grosse vente de domaines viticoles dans le Bordelais réalisée cette année. Il s'agit du château Lascombe déjà vendu 11 ans plus tôt. Et eh bien cette fois-ci, c'est un milliardaire américain qui a acquis une grande majorité de la propriété. Jean-Pierre Stall avec Guillaume Dequet. Lascombe, un deuxième cru classé 1855. Un domaine de 120 hectares en margot, vendu en octobre dernier pour les deux tiers à Gellon Lawrence, un milliardaire de l'agriculture américaine, accompagné ici de Carlton McCoy. Ce dernier veut diriger le domaine. Oui, Nous avons déjà investi dans le vin, on n'a pas valé, c'était notre objectif. Quand l'opportunité s'est présentée avec la vente du château Lascombe, eh bien, on a sauté dessus. Le prix de vente est resté secret. Toutefois, selon des experts, le château pourrait valoir entre 300 et 400 millions d'euros. Ce nouvel achat est béni cette année par un grand millésime 2022. Pas trop riche, très long en bouche. Et très élégant. Oui, très élégant, une bonne acidité, c'est rond, c'est un très bon margot. En 2021, le château a construit un nouveau cuvier high-tech, avec 40 cuves inox supplémentaires. Vous savez qu'à Lascombe, on a beaucoup de parcelles, donc l'idée, c'est de, de pouvoir laisser chaque parcelle s'exprimer euh, le mieux possible. C'est très beau, c'est fonctionnel en plus. Il va nous permettre d'augmenter encore et encore la qualité de nos vins pour les années à venir. Ce château, c'est l'ancienne propriété d'Alexis Lichine, bien connu aux états unis Il produit en moyenne 300 000 bouteilles de premier vin par an. En Napa Valley, c'est un climat plus chaud et c'est donc plus facile de produire des vins puissants. Mais ce n'est pas forcément des vins qu'on aime boire. On aime l'élégance et la fraîcheur. Les États-Unis sont le premier pays consommateur de vin au monde. Toutefois, l'objectif est de privilégier le marché français. La France est vraiment la priorité numéro un pour nous. La Scombe doit rester un vin iconique en France, mais aussi aux États-Unis. Et cet investissement à Lascombe et à Margot, c'est pour au moins 60 ans selon Carlton McCoy. Yes.